Cette année à Baselworld, la montre connectée a fait son entrée chez les marques de luxe comme Degrés Ogono, un joaillier suisse qui s'est allié à Samsung pour cette première smartwatch. C'était un hasard de rencontre entre Monsieur Grosi et au directeur de Samsung, entre autres le CEO. Son épouse est une grande estimatrice de la marque et quand ils ont pensé à vouloir avoir une version luxe de leur Gear S2, ils ont pensé à Degrés Ogono. La marque spécialisée dans les bijoux et les pierres précieuses a donc choisi d'attaquer le marché des montres connectées avec un modèle très féminin dédié à ses clientes fidèles. Donc ce sont des personnes qui ont accès à tout ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Et ils veulent quelque chose d'exclusif, unique et différent. Les montres connectées, c'était quelque chose qu'ils vous demandaient ? Non, mais nous savons qu'ils sont souvent friands d'électronique et ce sont généralement des personnes à la pointe, un peu des early adopters, un peu en tout. Disponible d'ici fin juin pour 15 000 euros, cette Gear S2 de luxe, dotée d'une autonomie de 2 à 3 jours, sera moins chère que certaines Apple Watch éditions, mais vaudra son pesant de diamants qu'on pourra compter pour s'endormir. Elle a une boîte en acier avec un traitement DLC, Diamond Like Carbon, donc c'est un traitement très dur de surface, avec des diamants noirs, plus une lunette en or avec des diamants blancs. Pour naviguer dans les menus, il faudra justement utiliser cette lunette en or, ce qui évitera d'avoir les doigts sur l'écran. Côté design, Degrés Ogono a eu carte blanche pour concevoir une montre connectée glamour, reprenant les spécificités de la Gear S2, et notamment le gyroscope, l'accéléromètre, la puce NFC et le micro pour les commandes vocales. Si vous comparez par exemple à une voiture, vous avez deux métiers qui sont très importants. Un, c'est ce qu'on appelle en italien les telaisti, ceux qui font le châssis. Et puis vous avez i motoristi, ceux qui s'occupent du power unit. Et là, c'est exactement la même chose. Le power unit, donc ce que vous avez dedans, le module, c'est un module Samsung. Tout le reste, tout ce qui est visible, c'est du 100% Degrés Ogono. C'est une vraie montre de luxe. Toutes les autres montres connectées, les vraies smartwatches, ont une esthétique dessinée par des ingénieurs électroniques. Donc c'est pas vraiment très fun, on va dire. Quatre cadrans aux couleurs du joaillier suisse seront proposés sur cette montre connectée qu'on pourra réveiller d'un coup de poignet. D'autres sont en préparation et des fonctionnalités dédiées au public fortuné de la marque sont en développement. L'objectif, c'est que les personnes puissent aussi bénéficier de davantage et qu'ils puissent se retrouver, qu'ils puissent avoir les restaurants adéquats, donc une accessibilité et permettre de se retrouver dans leur monde, on pourrait dire. Il est beau ce cadran. Le blanc ? Ouais. Vous préférez le blanc ? Je préfère le blanc. Voilà, bon, je vous laisse. La montre avec.